c'est toi, Gabon, c'est moi, c'est vous, c'est nous, mais pas que ça. Gabon, c'est toi, Gabon, c'est moi, c'est vous, c'est nous, mais mieux que ça. Gabon, c'est toi, Gabon, c'est moi, c'est vous, c'est nous, mais pas que ça. Gabon, c'est toi, Gabon, c'est moi, c'est vous, c'est nous, mais mieux que ça. Gabon, c'est toi, Gabon, c'est moi, c'est vous. Je suis venue découvrir l'histoire de mon pays. Gabon, c'est toi, Gabon, c'est moi. Connaître un peu les peuples bantous, l'histoire, la préhistoire. J'ai beaucoup aimé le stand nature où il y a des animaux. Enfin, on parle de la forêt, de la biodiversité. C'est la première fois au Gabon que je vois tout ça. Je suis encore dans les merveilles. Tout ce qui concerne les pygmées, c'est rare. Hein, moi, j'ai jamais vu, je suis tout à la télé. Mais là, sur place, vous avez les gens qui expliquent. Gabon, c'est toi, Gabon. Il y a des animaux que je vois toujours à la télé, mais que je n'avais jamais vu en face. Quand je contemplais les pierres précieuses de l'année de chêne que le colon ont minoté, nos grands-pères, nos grands-parents africains, qu'on les a amenés en Europe. Et ça m'a beaucoup vraiment réjoui de voir toutes ces choses-là. Je ne pensais pas qu'on avait autant de richesses. Vraiment, je suis fier d'être africain, c'est trop beau. J'apprécie le plus souvent les pays des autres parce que je les vois à la télé. Le mien, je n'ai jamais découvert cela. En fait, pour moi, c'est une première fois que je découvre cette beauté, ces merveilles que le Gabon a. Je suis très émerveillée de ce que j'ai vu. Je crois que la personne qui a eu l'idée a rendu un grand service aux Gabonais de revivre un peu le passé de notre histoire et de rentrer dans la nouvelle ère. Tout ce qu'un Gabonais peut découvrir, c'est ici, qu'il se déplace de chez lui et venir voir sa culture.